de l'ordre garantit au public des architectes qui sont diplômés, qui sont formés, 20 heures par an, je pense que ça parlera pas mal d'entre vous, assurés et respectueux du code de déontologie. Je vous propose de faire 5 minutes par partie. On n'est pas là pour être ou apparaître, on est vraiment là pour faire que le projet avance. Et majeur, parce qu'en fait, une des clés en fait, de la réalisation d'un projet, ben, c'est une clé qui est économique, qui d'ailleurs sera demain une autre définition. Hein. On parle beaucoup d'aujourd'hui de carbone, de poids carbone. Et ça, ce sont des indicateurs qu'il faut maîtriser dès le départ. Contrairement à ce qu'on dit, c'est les Parisiens fuient Paris, la première couronne, etc. Et là, finalement, on voit un petit deux tiers, quand même, qui nous dit « mais moi, je ne partirai pas en deuxième couronne ». On a beaucoup parlé de la question du logement, mais le logement, ce n'est pas que la cellule habitée, c'est aussi l'espace public. Elle en a parlé. Et donc, c'est toute la question urbaine, en fait, qui est questionnée derrière ça, parce que finalement, cette enquête, c'est une forme de programme aussi. Il y a des contraintes, il y a des tensions, il y a des limites au dispositif. En revanche, on a, je pense, le devoir d'expérimenter. Ce qui est important, c'est de créer du lien de manière un peu informelle. On a l'habitude de travailler avec des élus. Il faudrait que les architectes sachent comment les élus travaillent et fonctionnent, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs contraintes, pour pouvoir répondre au plus près à leurs demandes et que ça soit un enrichissement personnel, puisque les architectes ont énormément à apporter. Effectivement, la ville de demain, elle est pour 80%, elle est déjà existante. Donc il va falloir qu'on travaille dessus, qu'on la réhabilite, qu'on l'adapte. Aujourd'hui, les biosourcés, on est plutôt dans une approche vraiment scientifique. On essaie de massifier aussi les choses. Il y a une réglementation qui est favorable, qui est un petit peu complexe, mais il y a l'émergence d'une nouvelle culture constructive.